Première lecture. Lecture du livre des Actes des apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres. Frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit, convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3 000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur.